comment tomber enceinte d'une fille, comment arriver à tomber enceinte d'une petite fille. Bonjour et soyez mesdames, messieurs les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Alexandra Taclé, je suis éducatrice de jeunes enfants et je suis également conseillère en procréation. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez des garçons ou alors que vous souhaitez éperdument avoir une petite fille et que vous vous demandez quelle action vous pouvez mettre en place pour accéder à une grossesse, mais à une grossesse de petite fille. Tout d'abord, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et surtout à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait pour faire partie de cette communauté qui grandit un peu plus chaque jour grâce à vous. Nous avons passé la barre des 4000 abonnés en très peu de temps et c'est une chaîne qui a été créée pour les couples qui ont des difficultés, des troubles de la fertilité et qui ont des difficultés donc à concevoir des enfants. J'ai une bonne nouvelle, la bonne nouvelle d'aujourd'hui que je vous annonce, c'est que la formation grossesse accélérateur que j'ai créée spécialement pour vous mesdames se trouve dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer et je partage dans cette vidéo toutes les pépites, tous les détails et toutes les actions que j'ai pu moi-même mettre en place pour accéder à une grossesse et ainsi avoir également une fille. La formation grossesse accélérateur liée aux conseils, aux secrets que je vais vous partager dans cette vidéo va vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté pour concevoir une fille. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de votre alimentation, même si on sait que certains détails au niveau de l'alimentation peuvent vous permettre d'accéder à une grossesse fille. Non. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous partager le plus gros point, le plus gros secret, la plus grosse chose à savoir pour concevoir une fille, tout dépend des spermatozoïdes. Vous savez bien que vous, votre ovule portera toujours le même chromosome, soit le chromosome X. C'est le père, vous savez, c'est le père qui va choisir le sexe de votre enfant. Donc tout va se jouer au moment du rapport sexuel, au moment de votre ovulation, mais surtout du rapport sexuel. La différence entre les spermatozoïdes phi, soit les spermatozoïdes X, et les spermatozoïdes Y, soit les spermatozoïdes garçons, la différence entre les deux, c'est que les phi vont être beaucoup plus lentes, mais auront une durée de vie beaucoup plus longue que les garçons qui vont être, eux, beaucoup plus rapides et avoir une durée de vie beaucoup plus courte. Donc, une fois que vous avez accès à ce savoir, une fois que vous avez accès à cette information, qu'est-ce que vous allez vous pouvoir mettre en place durant votre vie amoureuse pour pouvoir concevoir une petite fille? Ce que je vais vous demander, c'est avec précision de cibler le moment de votre ovulation. Il va falloir que vous connaissiez votre cycle sur le bout des doigts pour ainsi avoir un rapport 3 jours avant votre ovulation. Pourquoi? Parce qu'on sait que la durée de vie des spermatozoïdes dans le corps de la femme peut aller jusqu'à 4 ou 5 jours. Au niveau de la muqueuse, au niveau de la chaleur qui s'y trouve, de l'humidité, les spermatozoïdes sont capables de vivre dans la cavité de la femme pendant 4 à 5 jours. Mais alors, ce qu'on veut faire, nous, les femmes, qui voulons concevoir une petite fille, on veut que les spermatozoïdes filles aient beaucoup plus de chances que les spermatozoïdes garçons d'arriver jusqu'à l'ovule. Donc si vous avez un rapport 2 à 3 jours avant la date précise de votre ovulation, les spermatozoïdes garçons seront déjà out, hors course, alors que les filles, elles seront encore là à continuer à batailler pour aller jusqu'à l'ovule et ainsi le féconder. Donc la clé du succès pour concevoir une petite fille, c'est de connaître son cycle à la perfection avec précision et d'avoir un rapport 2 à 3 jours, et le mieux c'est encore 3 jours, d'avoir un rapport 3 jours avant votre ovulation pour permettre aux spermatozoïdes filles d'accéder à l'ovule pendant que les spermatozoïdes garçons seront en train de sortir de la course. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu.
Abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore fait pour faire partie de cette communauté. Et surtout, mesdames, ce que je vais vous demander, c'est de croquer la vie à pleines dents, de profiter de la vie, de profiter de vos vacances, car on arrive en été. Nous sommes le 6 juillet aujourd'hui. Et je vous dis ciao, ciao, à bientôt.